Le diable ne peut pas bâtir. Il ne peut pas aider. C'est pourquoi même quand on parle de la magie blanche, c'est une magie satanique et démoniaque. Il n'y a pas de bonne magie, il n'y a pas de démons gentils. Les démons gentils n'existent pas. Il n'y a pas les démons qui protègent la famille. Tous les démons protecteurs des familles sont des destructeurs des familles. Oh, nous avons la sorcellerie qui protège la famille. Ça n'existe pas un Satan qui protège. Ça n'existe pas un Satan qui guérit. Satan ne guérit pas. Il déplace les maladies et il donne des plus grandes maladies parce que tu es venu chez lui. Et lorsque même il te prédit un avenir, il va faire que les démons viennent pour l'accomplir afin que tu dises que c'est lui qui l'a fait. C'est pourquoi vous qui avez rencontré des personnes qui vous ont annoncé le futur par le diable, refusez de vivre cela. Parce que si tu le crois, ça va s'accomplir. Le diable ne sait que dévrober, égorger, détruire. Toutes les personnes qui sont allées dans le monde des ténèbres pour se faire aider, même si vous avez reçu quelque chose, on vous a volé beaucoup plus que ce qu'on vous a donné. C'est un escroc qui te donne 10 dollars pour te prendre 10 000 dollars. Un jeune garçon, vous imaginez, très très jeune, il est à l'université. Il va voir un féticheur pour réussir dans ses études. Et on lui donne le succès dans les études. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une malédiction a été mise sur sa vie. Tous ses enfants devaient mourir. Non, l'enfant qu'il devait aimer le plus devait mourir. Et maintenant il devient riche et la fille qu'il aimait le plus meurt. Vous voyez l'escroquerie. Ne consultez jamais les marabouts. Jamais les féticheurs. Et n'allez jamais même chez un féticheur pour dire « On m'a volé telle chose, j'aimerais que tu puisses nous montrer. » Même s'il vous montre qui a volé, il a mis des choses dans vos vies. Il a mis des choses dans vos vies parce que vous avez ouvert une porte à Satan. Tu es chez toi à la maison, tu ouvres la porte et la fenêtre. Et tout d'un coup, des moustiques commencent à entrer. Et tu vois, ce sont des petits moustiques de rien du tout, n'est-ce pas? Tu vois, ça entre, ça rentre, tu peux même tuer certains moustiques. Mais puis il y a un anophèle qui vient, qui te pique. 4 jours, 5 jours, malaria, puis tu meurs. Tu t'es tué en ouvrant la fenêtre. Et c'est ce que les gens font lorsqu'ils vont dans le monde des ténèbres. Ils vont dans des loges, lorsqu'ils vont dans des maisons de marabouts. Ils pensent qu'ils ne font rien. J'ai ouvert que la fenêtre, je suis allé le voir. Mais tu as invité dans ta vie quelque chose d'invisible qui te tuera. Et tu sais que tu peux être piqué par le moustique, mais tu ne manifestes pas encore la malaria, mais ça a commencé en toi. Et certains, c'est ça, le processus de la mort a commencé en toi, mais tu ne vois pas. Parce que quand Dieu a dit même à Adam, tu mourras, il n'était pas tombé. Hein. Il est mort après 900 ans. Frères et sœurs, ne laissez jamais un homme qui consulte les diables et les démons vous défier sur ce qui est de qui bénit. Satan ne bénit pas, il ne donne pas, il vole. C'est un escroc. Mais le bon berger est venu, alléluia, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus donne tout. Jésus donne tout. Jésus donne l'onction. Jésus donne l'argent. Jésus donne les maisons. Jésus donne les voitures. Jésus donne les enfants. Jésus donne des maris, des femmes. Jésus donne les voyages, mais dans la paix, dans la joie, dans la puissance du Saint-Esprit, tu as la joie, tu dors en paix et tu peux témoigner comment est-ce que Dieu t'a donné. Tu n'as pas de problème de conscience parce que tu sais que tu les as eus légalement. Oh, donne-moi un amen. Vous le croyez, mes frères? Même si tu ne vois pas encore l'abondance, l'abondance est en route. Car tout chrétien est béni. Oui, mes frères, tout chrétien est béni. La plus grande bénédiction du chrétien, c'est une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Si j'ai Jésus, j'aurai tout. Mais si je n'ai pas des milliards sur la terre, ce n'est pas grave. Que je le garde et j'aurai tout dans l'éternité. Ah oui, c'est aussi la vérité qu'il faut enseigner aussi. Il faut aussi enseigner ça. Ça aussi, c'est la vérité. Nous ne serons pas tous des milliardaires. Parce que certains ne sauront jamais gérer les milliards. Mais nous, oui. Toi aussi, toi aussi. Si tu peux gérer, hein, si ça ne va pas te donner des folies. Déjà dans 500 dollars, tu as des folies. Comment tu auras des milliards?
$500. Tu pars à l'Inter, tu dors. Tu payes et puis tu sors. Prospérité. C'est ce qu'on nous enseignait ici au Congo. Qu'être prospère, c'est manger à l'Inter. Être prospère, c'est d'abord avoir Dieu. Avoir l'épargne, investir. Ce n'est pas dépenser beaucoup. Amen. Écoutez ceci. La Bible dit, dans Matthieu 4, versets 8 à 11, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Transporta Jésus. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Mais dans Matthieu 28, verset 18, la Bible dit ceci, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce que le diable lui proposait, Dieu lui a donné. Alléluia. Mais le diable lui a proposé la terre, mais Dieu lui a donné le ciel et la terre. N'écoute jamais le diable, Dieu va te donner au-delà. Dieu va te donner au-delà le ciel et la terre. Le ciel et la terre, le ciel et la terre. Le diable va te proposer la terre pour que tu perdes le ciel, mais Dieu va te donner le ciel et la terre. Et je vous dis, mes frères, dans ce monde-ci, aucun homme ne peut réussir très très brillamment, être très 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 riche sans Dieu ou sans le diable. Tu ne peux pas être un multimilliardaire dans la neutralité. Ou moi, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan. Non. Ce niveau-là dans ce monde, pour l'atteindre, tu dois adorer quelqu'un. C'est pourquoi Satan a dit, si tu m'adores, je te donne. C'est un principe. Ces choses-ci, je ne les donne qu'à mes adorateurs. Tu peux avoir un petit succès du quartier, ce n'est pas grave. Mais quand tu veux toucher le monde, soit tu adores le diable, soit tu adores Dieu. Quand tu entends quelqu'un, tu dis, toi tu es ceci, milliardaire et une influence planétaire. Tu crois en Jésus? Non. En Dieu? Non. Comment? Mon intelligence? Menteur. Impossible. Satan ne peut pas te permettre d'influencer le monde comme ça. Et lorsque tu as Dieu, tu l'adores. Lorsque le diable vient, il ne peut te toucher parce que tu as la capacité de lui résister comme Jésus. Il y a très très longtemps, mes frères, j'ai vécu ce verset. Ce verset, je l'ai vécu. J'étais allé à Brazzaville avec mon épouse prêcher la parole. Je finis de prêcher la parole et puis je vois une vision. Très très claire, mes frères. Je vois un être venir de très très loin avec une grande foule derrière lui. Marchant comme s'il planait dans les airs et toute cette foule le suivait. Voyez les images, les vidéos qu'on avait de Michael Jackson, comment il marchait avec une foule qui le suivait. Et je vois, et je vous assure, il était d'une beauté extraordinaire. Et je regardais, j'ai dit, ça c'est quel genre d'homme qui a cette beauté? On croirait même une femme. Et je regardais, et je regardais. Et lorsqu'il s'est approché de moi, j'ai remarqué une chose. Il était très très beau, mais son regard était sombre, rempli de haine et d'orgueil. Et Dieu m'a dit, c'est Lucifer. Vous savez, quand on dit que le diable se déguise en ange de lumière, c'est vrai. Ne pensez pas que le diable vous tentera en ayant une corne et une longue queue. Non, il sait que tu vas fuir. Il prendra la forme qui peut te séduire et t'attirer. Et lorsqu'il est venu, il m'a dit, Marcelo, tu veux le succès? En ce temps-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Ma femme, je crois, elle était enceinte d'Oracle, oui, il y a très très longtemps. Il me dit, tu veux le succès? Et pendant qu'il me parlait, il me dit, tu veux cette foule qu'il y a derrière? Tu la veux? Et puis Dieu m'a dit, refuse, car si tu acceptes dans la vision, tu l'as accepté dans ta vie et tu as fait un pacte. Et je dis, je n'ai pas besoin de ton succès, je n'ai pas besoin de ta foule. Frère, il y a des orgueilleux, mais Satan c'est le top. Il m'a toisé et il m'a regardé. Il a dit, tu es bête. Il s'est tourné, il est parti. Et lorsqu'il arrive un peu loin, il me regarde, il me dit, d'autres comme toi vont accepter ma proposition. Et toute la foule qui m'avait amené est parti avec lui. Frères et sœurs, ce sont des choses vraies. Ce que Jésus a vécu est réel. Mais sachez qu'il est venu me proposer ce qui appartenait déjà à mon futur. Je lui ai dit non. Après des années, l'Internet est venu.
Dieu m'a dit, va sur YouTube, va sur Facebook. On a commencé à prêcher. On pensait que c'était la blague. Et la gloire de Dieu est venue. La faveur est venue. L'explosion mondiale est arrivée. Le diable est un menteur. Il te propose ton futur. Il te propose ton futur. Il te propose ton futur. Donne-moi une main que je te parle. Lorsque le diable te propose des grandes choses, il est en train de prophétiser que tu seras grand. Résiste-lui. Lorsque les démons te proposent des grandes choses, ils savent que tu seras grand. Résiste. Il est en train de me prophétiser que je serai un homme béni. Quand on vient te dire, prends, touche à la magie pour devenir riche, tu seras riche. C'est une prophétie que tu seras riche. Je prie Dieu, il ne me donne rien, il ne me donne rien. Mais le féticheur là m'a dit, si seulement j'accepte, j'aurai. Non, tu les auras sans eux. Jésus a reçu la gloire et le pouvoir au ciel et sur la terre sans l'aide du diable. C'était sa destinée, mais ce n'était pas le moment. Le diable vient te donner avant le temps ce que Dieu va te donner parce qu'il sait que tu n'es pas prêt pour vivre cela. Tu seras demain un grand commando. Mais tu as 12 ans, je prends une arme, je te donne. C'est vrai, quand tu auras 25 ans, tu pourras manier des autos blindées et des armes terribles. Et ça appartient à ton futur. Mais si je prends cette arme-là que tu vas manier à 25 ans, je te la donne à 12 ans, même si tu seras un commando, je t'ai tué. C'est ce que Satan fait des fois. Il t'amène aujourd'hui ce qui sera à toi, mais il sait que tu n'es pas prêt de le vivre. Jésus devait souffrir, il devait prêcher. Il devait accepter qu'on le maltraite. Ce n'était pas le temps de régner. Mais lui voulait amener le règne avant la souffrance. Et c'est ce qui allait nous empêcher d'être sauvés. Il a voulu l'amener être un lion alors qu'il devait vivre comme un agneau. Car c'est l'agneau qui est crucifié. Ce n'est pas un lion qu'on crucifie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu peux être là. Tu vis quelque part. Tu es une fille. On t'envoie et on t'envoie et on t'envoie. Tu es une belle femme. Tu peux dire non, je me marie et tout. Mais Dieu veut que tu sois dans cette maison-là pour apprendre à cuisiner, à gérer une maison, à t'humilier, à voir comment dans un couple, une femme vit avec un homme pour que tu sois une bonne femme. Alors un homme riche vient, « Oh, je vais t'épouser. » Mais Dieu te dit, « Ce n'est pas le moment, tu n'es pas encore prête. Oh non, je vais m'en aller. » Et puis c'est bon, tu épouses ton homme riche, mais tu es impoli là-bas. Tu ne sais pas préparer là-bas. Tu es sale là-bas, malpropre là-bas. Et on te trouve une deuxième femme là-bas. Mais si tu étais resté, au lieu de ta formation, quand tu allais sortir, tu allais recevoir ce qui est à toi et tu allais le garder. Dieu fait toutes choses bonnes ensemble.